Coucou à tous et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui donc assez matinal parce qu'il est je crois 8h15, 8h20, un truc comme ça. Parce que là du coup je pars aux écuries, je suis juste en train de sortir ma chaîne qui est là, donc bref. Et du coup là je vais aller aux écuries, du coup je vais vous faire un petit vlog de matinée, de ma matinée aux écuries. Du coup j'ai un cours aujourd'hui, un cours de saut, donc quand ma mère elle est là, bah, elle pourra vous filmer aussi la séance, donc c'est cool. Et du coup voilà, donc là je vous retrouve et ma mère elle vient me chercher... Je vais chercher mes affaires vite fait, je dépose ma chaîne et ensuite on y va. Donc bah voilà, je vous retrouve, je vous ferai des petites vidéos sur la route, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup, je vous retrouve surtout aux écuries. À tout à l'heure. Alors du coup bah là je viens d'arriver aux écuries, donc je suis avec ma maman mais je vais pas vous la montrer. Mais du coup voilà, donc là je vais chercher le dadou. Et du coup bah là aujourd'hui ma mère elle est là, donc elle va pouvoir filmer quelques petits trucs, c'est cool. Et parce que c'est plus compliqué quand je suis toute seule. Mais du coup elle est là aujourd'hui, donc elle va pouvoir vous filmer. Et là je vais chercher le loulou et apparemment il est tout, vous deux sont prêts. Et comme d'habitude je vais devoir marcher. Un petit peu, ce qui est super. Voilà. Donc, bah, je vous laisse avec toi. Là, j'arrive. Et je vois que le seul cheval que j'ai, c'est. Je vais le réveiller, le pauvre. Il est en train de faire son meilleur dodo. Moi, je vais le réveiller en venant le chercher pour aller bosser. Il est dégoûté de sa vie. Le pauvre. Eh bien, mon amour. Ma beauté. Oh, c'est dur. Ma beauté. Coucou, alors du coup, je vous retrouve en voix off. Juste pour vous donner un petit peu une description de ma séance aujourd'hui. Du coup, on a retravaillé un petit peu à l'obstacle. Tout ce qui est courbe, serré et les obstacles de biais. Du coup pour le concours de dimanche prochain où j'engage du coup avec Quattro, et franchement j'étais vachement contente du cheval, il était beaucoup plus avec moi que dimanche dernier. Là il me prenait pas du tout la main, il revenait vraiment quand je lui demandais, il était vraiment cool. Donc de toute façon je vous ai laissé les commentaires de ma coach pour que vous puissiez écouter un petit peu mes défauts, mes erreurs que j'ai pu faire au cours de ma séance. Aussi s'il vous plaît, j'ai pas besoin de coach dans les commentaires. J'ai ma propre coach qui m'aide déjà pour mes cours, dans mes cours, etc. Et je connais mes défauts, je sais ce qu'il faut que j'améliore et que je rectifie avec mon cheval. Donc voilà. Mais sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Alors du coup là je viens de finir mon cours avec Quattro, vous m'en voulez pas mais en même temps je le décèle du coup le loulou, il était super bien, franchement je suis très très contente, on a sauté du coup pour préparer le concours de dimanche qu'on a, dimanche prochain qu'on a, donc à nos écuries, il était vraiment bien, il a bien bossé, de toute façon je vous ai mis du coup normalement les vidéos juste avant, donc avec le montage puisque ma mère m'a filmé, donc normalement je voudrais les vidéos juste avant, et il était super cool. Et ben voilà, franchement, rien de plus à dire. De toute façon, vous verrez dans les vidéos et je vous aurais peut-être fait une voix off pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. Et là, tu vas salir ma selle. Donc voilà. Du coup, ben maintenant, je vais vous... Enfin, je vais pas vous parler, mais je vais vous montrer un peu ce que je fais après, là, après mon truc. Même si peut-être que je le garderai pour une vidéo routine. Je sais pas. Je vais filmer et je vous verrai bien. Je prends le
Alors, du coup, je vous retrouve là, désolée pour le vent, en fait, en fin de séance, là, je le ramène après. Donc, voilà, du coup, c'était tout, c'était juste pour faire l'outro de la vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je n'hésiterai pas à vous faire d'autres prochaines vidéos, peut-être un... Peut-être une vidéo sur la routine après séance pour montrer un peu le... Donc voilà. Et puis bon, voilà. En fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire de plus. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo avec le loulou. Bisous.